Je me concentre, go. Yo les gens, c'est Zegim, et dans cette carte on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du tuto 1UI. D'un tuto, je suis dans la map de Gryffindor là. Comment faire un setup gaming. Et oui les gens, un setup gaming. Donc c'est assez réaliste, plutôt stylé à faire. On va rentrer là-dedans. Et du coup là on est là. Bon, en fait c'est un peu stylé, j'ai oublié de poser ça. Poser ma petite plaque. Voilà. Donc voilà, un petit setup gaming facile à faire. Des petites tasses à watch block. Oui c'est ça, chaîne. Donc on va commencer par faire ça. Le bureau. Bureau très facile à faire. Donc on prend les escaliers. Là, on va. Donc oui, j'ai oublié de faire le plancher. Donc c'est 6 sur 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Non, c'est 6 en longueur. Après on compte 5. Après on compte encore 6. Après on compte encore 5. Vous remplissez. Pour faire un mur de 4 de hauteur. Donc, on pose les escaliers à l'envers. Comme ça. On va un bloc ci. Mur, un bloc décalé, on pose à l'envers, on laisse dans l'espace, on repose à l'envers comme ça, on pose des dalles au milieu, on va faire un de long comme ça. Après prends la plaque, voilà, prends une plaque quoi, une plaque en fer, un bouton. Donc on prend la plaque, on la met là, le bouton pour faire la souris. Après, on prend les barres de l'ender. On prend les têtes des crânes de viseur et des têtes de dragon. Vous allez comprendre. Pour faire la caméra, il faut les barres de l'ender et les crânes. Donc, on passe un bloc à côté. Après, on passe le crâne dans le sens. Sans ceux ici, quoi. On casse le bloc et on pose la barre. Donc, ça doit donner toujours une caméra. Reprenez tête de crâne, tête de dragon. On vient ici, on pose un comme ça. En fait, c'est pour faire les écrans. Un sur le côté. Encore un autre sur le côté, mais bon. Ouais, voilà, à peu près comme ça. Donc là, pour l'instant, on est plutôt pas mal. Et on va d'abord aussi faire les chaises et tout. Donc là, on vient. Ici, sur le bureau, on est ici, là, au milieu, là. Alors, un bloc sur le côté, on creuse. Et alors, on va faire la chaise. Il faut bloc de redstone. Oui, des blocs de redstone. Un piston normal. Un escalier en quartz. Non, mais ouais, voilà, un escalier de ce que vous voulez. Moi, je prends de la couleur du bureau, quoi. Après, je sais pas, moi je prends des sables des armes, faire le sol, je sais pas. Hop, après j'ai oublié aussi un wagon. Rail. Et un wagon. D'abord, on passe un bloc ici. Une rail. Un wagon. Il faut casser la rail dessous. Donc je creuse deux blocs juste à côté. Et après, du coup là vous cassez la rail qui est juste dessous. Bon, je bouge avec ça moi parce que voilà, on prend l'escalier, on pose juste devant comme ça, pareil le piston on le repose ici. Du coup ouais, fais l'anti-pluie si tu veux. Du coup si je pose le bloc de redstone, le piston va pousser l'escalier qui va rentrer dedans le wagon. Donc voilà, du coup maintenant on a ça, on peut enlever. Du coup là on a notre petite chaise. On va juste faire des petits trucs sur le côté là. Ouais. Trappe en bois. Passe comme ça autour. Hop. Voilà. Du coup, là, on est pas mal. J'ai oublié, j'ai pas encore fini le bureau, désolé. Quand on est sur le bureau, là, on a ça. On monte de 1, 2, 3. Voilà. On monte de 3. On repose deux escaliers. Et on repose un à l'envers comme ça.
à l'envers le truc. Et non, c'est, j'ai oublié, on pose une dalle en plus. Et voilà, l'escalier à l'envers comme ça. Collez ici, vous avez vu qu'on a un trou. Ça fait pas vraiment joli. Donc ce qu'on va faire, on va poser des bibliothèques. Voilà, comme ça. Après, on va faire une petite déco en haut, par exemple. D'abord, on n'a pas encore fini. On pose une enclume. Ici. Voilà, comme ça. Après, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Des tapis blancs. Gris. Je prends un gris plus foncé. Non, non. Ouais, un gris. Ça, c'est du gris clair ou gris foncé, mais je prends le gris clair parce que sur mon modèle, j'ai pris du gris clair. Donc, c'est quoi ça? Donc, on vient à côté des biblios. On pose. Oui, c'est bon. On pose un tapis noir, un tapis gris. Sur tout le long là, on va poser. Dégage. Et... Ici, on passait un tapis gris. Tout le reste ici, je mets blanc. Après, du coup, là, du coup, on va prendre. Désolé si je répète les mots. Des pots de fleurs. Deux, trois fleurs. Des pots de fleurs comme ça. Des petits tableaux. Et un entonnoir. Donc, on passe des petits pots de fleurs autour. Comme ça. Ouais, juste après, j'ai oublié de mettre des petits escaliers. Alors, je vais juste prendre une boîte de chalk, je sais pas quoi là. Ouais, je vais quand même voir, on passe là parce que je suis comme ça. Ouais, si tu veux. Après, on pose. Ah, oh, mais j'ai oublié le cadre. Enfin, le cadre, c'est un cadre. Et oui, c'est bien un cadre. On va le poser à un bloc. Donc là, on a la biblio, un bloc ici, un bloc juste à côté. On pose le cadre et après, je mets le tonneau dedans. Voilà. Après, du coup, il nous reste un peu les finitions. On a juste les tableaux à poser et après, on est plutôt bon. Hop. On va faire un truc en fait. Ouais. Hop. Non. Voilà, je vais juste faire ça pour avoir des petits tableaux. Voilà, du coup, ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Voilà, un petit setup gaming. Depuis quand il y a une vache dans ma chaise de bureau? Voilà. Donc voilà, petit. Attendez, hein. Hop, donc qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, petit setup gaming. Très facile à faire chez lui. Ouais, voilà. Tranquille. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. De regarder mes autres vidéos, liker, commenter, partager. Je sais pas si je l'ai déjà dit. Et ben moi, je vous dis, tchuss, allez, salut!